Solidarité, 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 la liberté, oui. La répression, non. La liberté, oui. La répression, non. La liberté, oui. La répression, non. La liberté, oui. D'espoir et de débat sur l'évolution ou la non-évolution vers un état de droit démocratique au Maroc. Aujourd'hui, il apparaît que de plus en plus de mouvements sociaux, politiques, que de plus en plus de manifestations sont réprimées de plus en plus durement. Nous sommes ici pour protester contre ce qui s'est passé à Sidi Ifni et pour aussi rappeler que Sidi Ifni n'est pas un cas exceptionnel, que ce sont des méthodes, des pratiques qui se reproduisent de plus en plus souvent. Nous sommes ici pour affirmer et dire bien fort notre solidarité, mais avant tout pour réclamer la démilitarisation immédiate et inconditionnelle de la ville, la libération de tous les manifestants et qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Nous sommes ici pour réclamer haut et fort une commission d'enquête qui fasse la lumière sur ce qui s'est passé. On parle de meurtre, de viol, de violence très certainement. Nous voulons non seulement la lumière, mais pour une fois nous voulons des sanctions, nous voulons des actions judiciaires, nous voulons des... Pour dire non à la démocratie de Fatah et oui aux réformes politiques et constitutionnelles au Maroc, où il y a vraiment séparation du pouvoir, où il y a une vraie justice et une justice indépendante. Nous sommes là pour inscrire à nos côtés, bien sûr, de toutes les forces démocratiques marocaines et belges, notre solidarité avec les peuples occidentaux, et dire à tous les présents que nous n'acceptons jamais un retour en arrière au Maroc. C'est vrai, il y avait des espoirs au Maroc, mais la force de la répression aveugle d'origine à la population de Sidi Ifni, ça montre une deuxième fois que le Maroc n'avance pas vers une vraie démocratie, par contre le Maroc recule en arrière. Et ça, nous n'acceptons jamais, ni aujourd'hui, ni demain, et nous disons de volant bataille du Maroc, dites à vos responsables à Rabat que nous n'acceptons jamais et jamais un retour en arrière et nous disons non à la de, des années de plomb, je crois que ça n'a jamais cessé, le plomb est toujours là. En plus, il y a une chape de béton au-dessus maintenant, vu qu'il y a un silence, complice des différents médias et une protection très large sur le plan occidental. Nous sommes de nouveau confrontés à la matraque, à la même matraque entre les mains des mêmes acteurs. Pourquoi? Parce que justement, ces mêmes acteurs bénéficient d'une certaine impunité. Donc nous réclamons plus que jamais non à l'impunité et oui à la traduction des responsables des années de plomb devant la justice pour que plus jamais ce genre d'intervention ne se reproduise dans notre pays qui a besoin d'autre chose, qui a besoin de développement, qui a besoin de plus de liberté pour sortir du gouffre dans lequel il se trouve sur le plan économique et pour permettre à ce peuple de respirer enfin. Voilà. Alors le slogan qui est d'actualité plus que jamais, c'est non à l'impunité et juger les responsables des années de plomb. Sans ça, nous allons continuer à venir chaque fois devant cette ambassade marzanienne qui ne représente rien du tout puisque le système lui-même il ne reconnaît même pas les siens. Voilà, elles nous ont appris à parler. Mais quand on a parlé, elles nous ont brutalisé. Ce qui s'est passé le 7 de juin, ce sera le samedi noir, c'est un samedi noir.
samedi noir dans l'histoire de la démocratie morte. Ça, il faut bien le souligner. Personne ne peut. Les gens ont demandé des choses très simples. Les matalib ma'roufa, ou sahla jiddan. الناس كتطلب حنا من استقلنا كان اقليم استقل الاقليم حولوا على اكادير من بعد حولونا على تزنيف من بعد واحد الطريف خلاو على قلمين غدا ممكن نسرعوا على طاطا ممكن يكون المدينه تاعنا تابعه لطنجه حنا بغينا اقليم الناس فاهمه الاداره خاصك اي شيء بسيط خاصك تركب 75 كيلومتر الناس ما عندهاش مشاكل امشي الورقه امشي 75 كيلومتر ذهاب واياب بوك سو كي نبروف بوك كو تو موند كومبرون جي بارلي اون فرونسي نو زابيتون nous avons eu notre indépendance en 69 et nous étions une région dépendante. Et puis après, les autorités nous ont mis sur la province de l'Agadir, puis après sur la province d'Iznit, puis après une partie sur la province de Guilmim. Demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Et les gens sont des gens pauvres. Il n'y a rien chez nous. Il n'y a rien. Il n'y a qu'un seul port dans tout le monde. Attend vraiment l'issue, la sortie économique et tout. Et un port, et je vous le dis ici, c'est un port où chaque année, des centaines de pêcheurs sont morts parce qu'il n'est jamais complet. Et le jour du bloc, le jour où des simples gens, pacifiquement, ils ont bloqué le port, pacifiquement, ils ont bloqué le port. Qu'est-ce que les autorités ont dit? On a perdu 900 000 euros. Si l'État gagne chaque jour 900 000 euros, faites vos calculs, combien d'euros ça rentre ce port? Et pourquoi cette ville qui a ce port et ces grandes richesses maritimes, c'est la troisième riche, la troisième côte plus riche du poisson du Nord-Afrique. Mais les gens n'en retiennent rien. Qu'est-ce qu'ils retiennent? Les camions qui passent dans notre ville, ils laissent quoi? Ils laissent les sardines, ils laissent que les odeurs, les mauvaises odeurs. On n'en tient rien, nous. Nous avons un double appel, la première à l'ambassade pour qu'elle relaie notre protestation, notre colère, notre refus de voir une violence comme celle qui s'est abattue à Sidi Ifni revenir à nouveau, mais surtout un appel, si aujourd'hui nous ne sommes pas mobilisés de manière massive, nous sommes assez représentatifs des différentes associations belgico-marocaines et il nous appartient de revenir et de revenir encore face à cette ambassade tant qu'il sera nécessaire. Donc ceci est un appel aux personnes présentes ici pour qu'elles continuent la mobilisation, l'information. Sidi est toujours une ville en état de siège, c'est une ville qui est toujours occupée et tant que la pression ne sera pas maintenue, il y a peu de chances que les gens, la situation revienne à la normale, comme l'histoire nous l'a montré. Donc vraiment, je vous demande de continuer à vous mobiliser et de revenir ici cette fois-ci. C'est-à-dire un petit mot de la voie démocratique qui s'inscrit pratiquement dans tout ce qui vient d'être dit. C'est un mot de solidarité, c'est un mot de soutien aux habitants de Sidi Ifni, à cette ville meurtrie par cette violence de l'État, par cette intervention musclée qui, du jour au lendemain, a fait de cette ville un choc. Aujourd'hui, nous avons passé ce message comme avaient fait nos camarades et amis un peu partout.